Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, tout d'abord, sur la chaîne de la gardienne de l'unité. Je voulais un peu vous expliquer ce qui se passe pour moi. Les énergies changent énormément pour moi et pour tout le monde, évidemment, puisque nous sommes tous sur la même terre. Et ce taux vibratoire qui augmente nous permet vraiment de plus en plus de rentrer dans l'être que nous sommes vraiment, cet être divin, mais surtout d'avoir une nouvelle perception des choses, donc une nouvelle vision, une nouvelle observation. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que suite à ma dernière vidéo, il y a eu beaucoup d'intégration comme ça. Mais surtout, ce qui s'est mis en place, c'est que mon mental est arrivé au grand galop. Mon mental, mais pas mon mental de tous les jours. Mon mental spirituel, en fait. Et donc, très vite après avoir fait la vidéo qui est précédente, j'ai quelque chose qui est venu comme ça. Et mon mental est venu vraiment me titiller dans plein de choses. Donc, par exemple, je me suis réveillée le lendemain matin et il est venu me dire « Mais Josine, à quoi ça sert que tu fasses tout ça? Ça sert à rien, c'est du temps. Vraiment, tu perds ton temps. » Et donc d'abord, ça m'a « Et puis très vite, je me suis rendu compte que je ne devais pas tenir compte de ça et que je devais vraiment dire « Voilà, tu mens. J'ai pas besoin de ça, tu peux partir. » Et puis c'est revenu de manière plus subtile. Donc ah oui, mais t'as fait ça tellement facilement dans l'autre vidéo. Si tu crois que ça va revenir comme ça, c'était juste un one shot. T'es pas à la hauteur, ça sert à rien. Et ça a duré comme ça vraiment répétitivement en fait. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai besoin de faire l'expérience de vaincre mon mental spirituel. Et il est tellement subtil qu'il m'a même dit, mais Josine, tu peux faire ta vidéo. De toute façon, si ça foire, personne ne le saura s'il n'y a rien qui vient. Mais si, parce que moi, je le saurai. Moi, je serai directement confrontée à ça. Et donc, expérience, expérimentation en direct. Et quoi qu'il arrive, je posterai cette vidéo. Pour moi. Pour vaincre ce mental. Tellement malin, tellement génial en fait. Alors, je vais me centrer. Et je vais les appeler. Et je vais leur demander qu'est-ce qui est d'actualité aujourd'hui, en ce jour en fait. Aujourd'hui, nous sommes le 21, le 3, l'absolu, le tout, le merveilleux, le parfait. Et c'est une belle journée que pour décider de mettre de côté son mental spirituel, enfin ce que vous appelez votre mental spirituel, qui n'est rien d'autre que de la peur. La peur que vous avez tous appris, la peur qu'on vous a communiquée. La peur qu'on vous a transmise, cette peur totalement liée au manque, au besoin. J'ai une douche là, une douche d'énergie. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de manque, c'est une illusion. Vous croyez manquer de tout et d'ailleurs rien ne peut venir combler votre attente. Rien ne comble ce gouffre de la peur et rien ne peut le combler. Puisque la peur n'existe pas, c'est une illusion. Vous êtes inatteignable, vous êtes inabîmable. Rien ne peut vous arriver, vous êtes complet, vous êtes absolu. Ressentez à quel point vous êtes complet. Vous n'avez aucun besoin. Vous n'avez aucun besoin. Vous êtes sans peur. Votre nature originelle est sans peur.
Vous êtes comme nous. Vous êtes tout. Réalisez. Intégrez. La peur n'existe pas. La peur est confusion. La peur est guerre. La peur est combat. La peur vous emmène dans ce que vous n'êtes pas. Regardez comme nous avons dit ce que vous n'êtes pas et pas celle ou celui que vous n'êtes pas. Ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas personnel. Vous n'êtes pas identitaire. Vous êtes tout. Recevez. Sentez ce tout vous combler. Sentez qui vous êtes. Réalisez. La peur n'a pas sa place. La peur n'a pas d'objet. La peur a une fréquence, mais elle n'a pas de fréquence. La peur n'a que la fréquence que vous lui permettez d'avoir. Vous êtes tellement plus haut. Vous êtes tellement plus beau. Aucune peur n'a de place. Comblez, comblez votre être et recevez la lumière. J'ai une image comme ça d'un truc qui se colmate comme ça. Et toute la peur. Ah, alors ils me disent. On fait la même chose qu'avec le doute, mais ce n'est pas la même énergie. Parce que le doute est une sous-couche de la peur. C'est la peur qui maîtrise le doute. C'est la peur qui maîtrise tout. C'est le grand chef d'orchestre de la cascade vers le bas. Ouh. C'est le maître de cérémonie de l'ombre, le maître de cérémonie de la confusion. La peur maîtrise tout ce qui vous tient en bas. C'est une virtuose, mais elle n'existe pas. Elle n'existe que si vous lui permettez d'exister. Vous êtes inatteignable. Recevez. Remerciez votre être pur de lumière. Installez-vous, rentrez à l'intérieur de celui-ci. Vous n'êtes que ça. Et quand nous disons que ça, ce n'est pas limitatif. Au contraire, ce n'est qu'une expansion sans limite. Ressentez, vibrez et recevez. La peur n'existe pas. La peur est illusion. Et alors je sens plein de trucs comme ça dans mon aura qui se désagrège, mais c'est une vibration beaucoup plus forte qu'avec le doute en fait. C'est vraiment, c'est très froid. Et je n'ai pas froid, mais c'est très froid. La peur vous refroidit. La peur gèle vos élans d'action d'amour.
Débarrassez-vous de la peur. Elle est si simple à balayer. Revenez en vous. Revenez dans votre être. Installez-vous dans votre divinité et vous pourrez. C'est plus qu'observer, mais je n'ai pas le mot. Voir que la peur n'est rien. Elle n'est qu'une création du mental pour contrecarrer votre être divin. Vous avez le choix. Qu'allez-vous choisir? Sur quoi allez-vous mettre votre focus? Qui va devenir le chef d'orchestre de votre vie? Votre lumière ou votre peur? Votre amour ou votre peur? Les deux ne peuvent pas exister en même temps. Vous êtes ou dans l'un ou dans l'autre. Choisissez et recevez. Respirez. L'amour est un choix. Ils sont partis. Mais je suis encore complètement dans cette énergie comme ça. C'est comme un tremblement. C'est comme. Ouais. C'est pas un tremblement, c'est une vibration. Est-ce que j'entends? C'est ça la vibration de l'amour. Et il n'y a de place. Pour rien d'autre. Incarnez ça. Laissez faire. Intégrez. Recevez l'amour de qui vous êtes. De ce que vous êtes, parcelle divine, entité complète, sans limite. Et là, ils me font rire parce qu'ils me disent, tu voulais pas l'entendre ça, hein? Ça dit qu'on était parti, mais on n'était pas parti, on faisait une pause. Une pause d'intégration. Alors ils me disent, dernier résidu du chef d'orchestre de la peur qui tentait vainement de nous empêcher que vous incarniez cette lumière d'amour. Respirez. Restez, j'entends, ils me disent restez, continuez, respirez. Le processus est en cours. Et je vois, comme quand on fait delete sur un programme d'ordinateur, en fait. Laissez votre disque dur de lumière se reprogrammer. D'amour. Respirez profondément. Respirez l'amour. L'amour de qui vous êtes. L'amour de tout. Pour que vous nous compreniez bien, respirez cette arme absolue qu'est l'amour.
Nous nous adaptons à votre langage, car vous êtes toujours dans le combat. Armez-vous d'amour, si c'est comme ça que vous pouvez le comprendre. Et ensuite réalisez que vous n'êtes que ça, qu'amour. Et qu'il n'y a rien à combattre. Vous êtes un. Tous les jeux sont partis. Alors c'est ce que je sens, c'est ah, ils sont contents. Ils sont contents, mais ils font ouais, c'est bien. Je vous invite peut-être, même quand la vidéo sera terminée, de rester dans cette énergie-là. C'est ce que je vais faire. Merci. Merci pour ce beau message. Je vous prends tous dans mes bras. Je vous aime. Je vous embrasse. À très bientôt. J'ai l'impression d'avoir fait Koh-Lanta, je vous jure. Ils me disent, et tu es vivante, plus que jamais. Vous êtes tous vivants et vivants, plus que jamais. Pas de combat, pas de guerre, pas de défi, pas de deux. Juste un. Et comme ils m'ont dit le pas de deux, il n'y a pas de deux. Mais nous faisons tous des pas de deux. Vous voyez, quand on danse avec quelqu'un, c'est une très belle image. Je vois plein de gens danser ensemble, échanger de partenaires et virevolter comme ça. Dans la valse de l'amour, j'entends. Est-ce que c'est fini? Ah, ils me disent non, ce sera jamais fini. La vidéo pourrait durer des heures. Mais gardez ça à votre esprit, à votre Saint-Esprit. Pratiquez. Voilà. Gros bisous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous prends tous dans mes bras.